brûlée, reine de Mérine, reine des Andales et des premiers hommes, calicie de la grande mère herbeuse, briseuse de chaînes et mère des dragons. Tu as fini? Ce ne sont pas les titres qui font les reines, ma chère petite princesse. Et tu as oublié incendiaire de Port-Réal. Je ne suis pas votre petite princesse. J'ai repris le trône qui m'appartenait. Ah oui? Et pour combien de temps? Tu auras peut-être plus de chance en jouant un risque. Viens. Rogue n'est pas venu? Lui qui se proclame roi du Nord et qui ne rate jamais une partie. Voilà qui est surprenant. Il a préféré participer au banquet organisé par sa mère. Ça va lui rappeler de bons souvenirs, tout ça. Je commence. Et pourquoi? Parce que c'est moi la reine. Non, je suis plus reine que toi. J'ai passé 8 saisons sur le trône. Tu as tenu seulement 5 minutes. Ce n'est pas un exploit. Le trône de fer est mien, et je vais le prendre tout de suite. Je place mes armées dans le Nord, et je lance mes dragons sur Port-Réal. Il va falloir que je te réexplique les règles du jeu. Laisse-moi te donner un conseil pour jouer. Je place mes armées Lannister sur les terres de la couronne. J'en déplace dans les terres de l'orage, et je contrôle la partie sud-est du plateau. Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. Le Nord est à moi. Je récupère le Bif et les terres de l'Ouest. Je prends les îles de fer et le Val d'Arène. À moi d'or. Je te déclare la guerre à Port-Réal. Et mes armées sont plus nombreuses que les tiennes. Et je repousse ton armée. Stupide jeu. Dommage, ce jeu devenait intéressant. Enfin, je pense que cela ne changera pas la face du monde. Nous sommes mortes. C'est Bran le roi des armées. Tous les hommes doivent mourir. Mais nous ne sommes pas des hommes. La corneille n'est pas un homme comme les autres. Peut-être aurions-nous dû nous partager le royaume. Cela nous aurait...